Bonjour, je m'appelle Julien Lyon, je suis ancien Supmeca promo 2011 et je travaille à la RATP depuis 12 ans à la direction du matériel roulant ferroviaire. Donc c'est une partie qui est moins connue du grand public mais qui s'occupe de toute la maintenance des métros, des tramways et du RER. Bonjour, je m'appelle Auguet Quentin, je suis promotion 2023 de Supmeca et je suis actuellement chargé de projet ARC-DJ, industrialisation pour la RATP au RER. Je suis venu au forum aujourd'hui pour faire découvrir un milieu méconnu qui me passionne personnellement, le ferroviaire et sa maintenance. Au groupe RATP, particulièrement la maintenance, on recherche des profils soit bureau d'études, soit plus opérationnels, tournés système de production et logistique, que ce soit pour des stages de première, deuxième ou troisième année ou pour des embauches. Les profils recherchés, c'est des personnes qui ont envie d'apprendre, ont envie d'aller sur le terrain, comprendre le ferroviaire. C'est pour ça, typiquement, un profil comme Quentin qu'on vient d'embaucher il y a 2 mois au sein de la maintenance. Donc depuis 2018, la RATP et Supmeca ont un contrat de partenariat. L'objectif, il est multifacette, à la fois de faire des business lunch, des forums pour présenter l'entreprise aux étudiants, de prendre des étudiants en stage, voire après de réussir à les embaucher. Et aujourd'hui, on développe d'autres parties. Pourquoi pas faire des cours sur le ferroviaire ou participer potentiellement au master spécialisé POP à l'avenir. Mon conseil personnel, c'est qu'il faut être une personne très curieuse afin de pouvoir découvrir toutes les facettes du métier dans le ferroviaire. Alors mon conseil personnel aux futurs ingénieurs, les formations de Supmeca, c'est une boîte à outils qu'on nous donne, qu'on doit utiliser, mais c'est important de le faire sur le terrain avec les opérationnels pour construire sa carrière et pourquoi pas, n'hésitez pas à venir construire avec nous les RATP de demain.